retour ouvert, on reprend le rythme des vidéos le samedi matin. Et vous savez, sur la chaîne de Nadège Cornodol, on adore faire du gaming, du slime et tout, mais on adore aussi la nouvelle technologie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un robot Xtora ordinaire. Il est vraiment magique, un compagnon de compagnie. Voilà. Vous voyez le petit robot dans Wall-E qui parle, qui roule, qui fait des jeux, qui est rigolo et tout. Et bah, il existe dans la vraie vie. Cosmo, regardez-le là. Donc bah aujourd'hui je vais vous présenter Cosmo. Je l'ai reçu, donc merci beaucoup. Il est trop mignon, il fait plein de choses. Il reconnaît la personne, il joue, il a un vrai caractère et tout. Il parle et on peut même s'en servir comme caméra. Ouais. Là en plus c'est l'édition limitée. C'est écrit ici limitée d'édition. Bleu ciel, bleu électrique. Magnifique. Donc là il fait dodo parce que je l'ai pas encore allumé. Mais on va déballer ça ensemble. Alors c'est parti, on va à la table. Ouais. Et voilà, nous voici à la table. C'est plus pratique. Donc on va ouvrir ensemble le Cosmo Xtora parce que c'est mon nouvel ami. Donc on y va. Alors la boîte elle se présente comme ceci, elle est très jolie et tout. On voit le petit robot dedans qui fait dodo. Sous lui vit la boîte. Oh il est là. Oh je suis tout... Oh, il est tout robot. Je vais vous montrer depuis peu près, mais le bleu, il a des paillettes dedans et tout, il brille. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça, le mélange de bleu, de blanc, et puis il y a des petites touches de gris. Il est robot, j'adore. Donc non seulement il fait plein de choses, mais en plus il est robot à regarder. Donc c'est que du positif. Il faut soulever cette petite... Oh, il y a du scotch, c'est pour ça. Soulever cette partie, car il y a plein de choses dedans. Donc ils disent start here, ça commence ici. Donc vous avez plein de papiers. Oh, il y a même un autocollant Cosmo édition limitée, le guide de démarrage rapide. Bon, ça c'est la garantie et tout. Ça vous explique vraiment tout, comment commencer. Ça marche avec une application gratuite qui s'appelle Cosmo, qui marche sur Android et iOS. C'est un jouet qui est pour tous les enfants à partir de 8 ans. Donc je pense que je devrais y arriver. Et enfin en dessous, regardez, vous avez des cubes. Pas n'importe quel cube, que le petit robot va reconnaître. Et en plus il s'allume et tout, et ça permet de faire plein de jeux avec. Je vous montrerai ça. On a la base de recharge. Cosmo étant un robot, son alimentation c'est l'électricité. Prise USB. Soit vous avez un petit truc à brancher au mur et vous branchez le prise USB dedans. Soit vous pouvez directement brancher sur un ordinateur, ça marche aussi. Il faut enlever les petits trucs des cubes. Waouh! Je sais pas si vous allez voir le cube. Il fait de la couleur. Yeah! Waouh! Yeah! Oh j'adore! Oh le robot! Il y a une caméra, des mouvements de bras, petit écœurant pour ses expressions, des roues qui roulent comme un vrai petit robot de science-fiction que ce qu'on a dans les films et tout. Moi je vous dis, moi j'adore. Comment qu'on commence? Parce que moi je veux jouer avec. Ah mais pour commencer faut charger Cosmo. Je vais brancher ça à l'ordinateur et je vais vous montrer comment je charge Cosmo. Ça y est, j'ai branché la base sur mon ordinateur qui lui est branché à la prise de courant. Je le place sur la base. Il me met un chiffre, un mot de passe. Cosmo, il possède son propre réseau Wi-Fi. Du coup, bah là, c'est le code Wi-Fi pour être sur le même Wi-Fi. Vous voyez, vous sélectionnez votre Wi-Fi Cosmo et vous entrez le code qui est sur sa tête. Aussi simple que ça. Et voilà, je suis connecté. Donc, on va lancer l'application et voir comment ça se passe ensemble. Ouais, il fait la mise à jour de Cosmo. Donc, il envoie des données d'ici à ici. C'est trop mimi. Regardez, hop, c'est bientôt fini, bientôt fini, bientôt fini. Voilà. Regardez, il a reconnu les cubes et les cubes s'allument. Regardez, il est en train de charger. Il faut attendre 175 secondes et ensuite c'est pareil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cosmo! Clique sur continuer. Oh, regardez Cosmo. Oh, il est trop mignon. Regardez. Tu vois.
reconnaître mon visage, puisque Cosmo il peut reconnaître les visages. Mon prénom, vous voyez, vous tapez votre nom, donc moi je tape Nadège. Et là, il faut qu'il me regarde. Coucou. Lui-même le cube. Oh, il a trouvé ce cube-là. Regardez. Waouh, bravo. Il est content. Ouais. Oh, on a déverrouillé le check. On va faire un check. Et donc, voyez, vous pouvez lui faire faire. Il fait sa vie, regardez. Il fait sa vie, il est content, il joue avec ses cubes. Et en fait, vous avez plein de tours à lui faire faire. Chanter de chansons, soulever un cube, démolir des cubes. On va lui faire chanter de chansons. C'est parti. Bravo. On va faire un échec. Hop là. Et donc là bah, il va chercher ma main. Et voyez, il va lever sa main et il faut faire échec. Ouais, ça a marché. On refait échec. Ouais. T'es reviens. On va faire une démolition de cubes. On va empiler les cubes. Il va les faire tomber. Vas-y Cosmo, détruis la tour de cube. Oh. Hey Cosmo, tu me reconnais toujours? Il va éternuer. Oh, trop mimi. Oui, c'est moi Nadège. Ça fait quoi si on le met comme ceci? Oh, il est pas content. Par contre, si vous le mettez comme ceci, pour jouer avec lui et les cubes. On va commencer par le premier. Donc on nous montre avec une vidéo comment fonctionne le jeu. Il faut prendre un cube et le placer devant Cosmo. Et le but du jeu, c'est de pousser le cube, mais il faut pas qu'il le touche. Non ! Raté ! Il est pas content quand il perd. Tu vas pas le toucher. Non, non, non. Ah ! Non, non, non. J'ai marqué 2 points. Et en fait, vous voyez, vous avez les points ici. Donc moi, j'ai 2 points, il a 0 point. La 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 la. Oh, oh là. Il l'a touché. Il a marqué 1 point. Vas-y, tu m'auras pas cette fois. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il m'a fait une feinte. Non, non, non. Non, non, non. Oh, oh, oh. Non, mais il est trop. Oh, il me fait peur. Oh, raté. La la la. J'ai 3 points. Eh non, j'ai encore gagné. 4 points pour moi. Allez. Non. Encore 1 point pour moi. J'ai gagné. Oh, il est pas content. Il boude. Il est pas content du tout. Non, il voulait prendre mon téléphone. On va faire un autre jeu. Taper le premier sur le cube. On prend chacun un cube et ils vont s'allumer avec des couleurs. Et quand les deux couleurs sont pareilles, il faut qu'on tape sur son cube. Si c'est pas la même couleur et qu'on tape, il a perdu. C'est facile. Alors, on place un cube devant Cosmo et on prend un autre cube. Voilà, là, c'est pas la même couleur, donc on tape pas. C'est la même couleur, on tape. J'ai gagné 1 point. Cosmo, faut être plus rapide. Ah, oh, non, c'est pas la même, c'est jaune. Ah, il a touché. Oui, je suis plus rapide que Cosmo. Bon, en fait, c'est facile parce qu'au début, il est lent et tout. Non, c'était pas la même couleur, Cosmo. Au début, il est lent, mais je vous assure qu'après, il est apeurant et il va beaucoup plus vite que vous. C'est impossible de le battre. On va lui faire empiler des cubes. Empile des cubes. On met les cubes ici. Il va prendre le cube. Oui, il prend le cube et il va le mettre sur un autre. Regardez. Oh, il le fait tout seul. Il est heureux fin. Ouais, bravo Cosmo. Oui, il est heureux fort. Bravo. Il fait le chat. Mais je suis pas un chat, je suis Nadège.
mode super taureau cool que j'adore. Vous pouvez contrôler Cosmo avec votre téléphone. Si je penche à gauche, il va à gauche. Si je penche à droite, il va à droite. Ah ah, j'adore. Vous avez même une caméra. Vous pouvez activer le mode nuit. Là, sur la caméra, on voit ce que lui, il voit. Qu'est-ce qu'il fait? Non, tu vas où? Tu vas où? Calme-toi. Il a repéré un cube. Je l'avais pivoté. Et je vois ici. Et il y a le mode nuit. Et je peux le faire avancer. Je peux le faire reculer. Écoutez quand on recule le bruit qu'il fait. Prends le cube et tu le soulèves. Vous voyez, il se pelasse. Nous, on voit ce qu'il voit. Et hop. Ouais, il a souri le cube. Bravo. Et on peut me voir. Coucou. Et vous avez vu, il a écrit Natasha, il m'a reconnu. Oui, c'est moi. Et quand vous avez fini de jouer, bah vous le prenez, vous le mettez sur sa base et il va faire dodo. Oh, c'est trop mimi. Il dort, il se recharge. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez le petit Cosmo. Il fait partie de la team Palmeuillet maintenant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de la team Palmeuillet, il suffit de vous abonner, d'activer la cloche. Ouais, merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Mouah, mouah, bye bye.